Pour le faire. Et on commence. Donc, bienvenue à notre webinaire organisé par le groupe Données de la recherche du groupe de travail Sciences ouvertes de Couperin. Donc, il s'agit de la première conférence du cycle de webinaire 2023-2024. On fait déjà du teasing pour la suite. Et donc, cette conférence sera centrée sur le rôle des données de la recherche dans la reproductibilité de la science. Pour commencer, je vous présente eh bien, les merveilleuses animatrices de cette séance, donc Laetitia Bracco, Université de Lorraine, Delphine Dupasquier, École des Ponts ParisTech, Ling Li, Université de Lyon 2, Doriane Lemeltier du CEA, Cynthia Pedroja du campus Condorcet, Joséphina Sadowska de l'INRIA et l'animateur, ça c'est moi, Cyril Heu de Sciences Po Paris. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pourquoi un webinaire sur la crise de la reproductibilité de la recherche? Eh bien, c'est un thème récurrent dès lors qu'il s'agit de parler de sciences ouvertes. En effet, les publications numériques et les recherches sur notre capacité collective à reproduire des expériences passées ont mis en lumière la très grande difficulté éprouvée par la communauté scientifique en la matière. Et selon nos informations, jusqu'à 90% des résultats publiés ne seraient pas reproductibles. Donc, est-ce une fatalité? Eh bien non, car à travers nos trois interventions, nous allons tenter de voir comment les données sont devenues le nerf de la recherche reproductible. Donc, chaque présentation durera 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment, n'hésitez pas, le chat est pour vous. Et donc à la fin des interventions, nous aurons aussi 15 minutes consacrées à un temps d'échange entre tous les intervenants et tous les participants. Donc, sans plus attendre, nous pouvons débuter avec notre premier intervenant, Éric Cahuzac, qui est ingénieur de recherche à la direction pour la science ouverte d'IPSO de l'INRAE. Donc, il va définir pour nous cette notion de reproductibilité des données de recherche, quels en sont les enjeux, les risques, les bénéfices, les recommandations afférentes. En effet, la littérature s'accorde généralement sur le fait qu'une recherche reproductible fournit des éléments suffisants pour reproduire l'expérience et obtenir des résultats comparables, voire identiques. Ces éléments peuvent être des données, des codes, des documents de méthodologie, des documents explicitant les conditions d'expérimentation, etc. Pourtant, la réalité du terrain montre que les définitions du concept de reproductibilité peuvent différer. Et surtout, comment veiller en tant que chercheur à tout mettre en place pour assurer un niveau satisfaisant de reproductibilité des résultats de recherche, étant entendu que les données ne constituent qu'une partie des éléments en jeu. Et donc, Eric, la parole est à toi. Nous t'écoutons. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait pour moi. C'est parfait. Bon, ben, Et c'est parfait. j'enlève une barre et c'est bon. Bon, et merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à Cyril et à ses collègues pour cette invitation. Je suis donc Éric Cahuzac, je travaille, comme l'a dit Cyril, à la direction pour la science ouverte à INRAE. Et mon domaine de recherche est au cœur des sciences humaines et sociales, c'est plutôt l'économie et l'économétrie. Alors, dans cette présentation, je voudrais tout d'abord remercier Odile pour ses échanges et surtout Esther avec qui nous avions commencé de rédiger un article sur le sujet sur lequel je me suis fortement inspiré aujourd'hui, article qui n'est pas paru encore et pas fini d'écrire surtout. Alors, bon, même si on s'en tient au périmètre des données de recherche, comme c'est indiqué ici, hein, la reproductibilité, Cyril l'a énoncé un petit peu, c'est un champ très vaste qui touche de nombreux acteurs, des éditeurs scientifiques, des chercheurs, des éditeurs de logiciels. Donc, je ne vais pas tout balayer, bien sûr, ici, tout aborder, tout détailler. J'en serai aussi pas capable dans le temps qui m'est imparti. Mais enfin, j'espère qu'en balayant quelques aspects de la reproductibilité, je vais vous donner des pistes et l'envie d'être plus reproductible dans vos travaux au quotidien. Justement, de quoi je ne vais pas parler? Je ne vais pas parler de la crise de la reproductibilité de la recherche et de ses causes, des critères d'évaluation de la recherche qui ont conduit à la course à la publication, à la recherche de financement. Je ne vais pas parler d'éthique de la recherche. Tous ces éléments-là, on les a bien identifiés, on commence à les connaître. Ce sont effectivement des freins à la reproductibilité, mais
Ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Bien sûr, il y a des publications, notamment dans Nature, qui disent que de nombreux travaux ne sont pas reproductibles. Mais les choses avancent. Je préfère ne pas revenir sur ces éléments-là et me focaliser sur qu'est-ce qui fait à la reproductibilité. Et notamment, on va s'appuyer sur la science ouverte, qui est un élément indispensable à la reproductibilité. Donc une science qui va être immédiatement disponible, qui va s'ouvrir à l'ensemble des communautés, y compris aux citoyens. Une science qui sera plus précise, puisqu'elle sera partagée, elle sera évaluée par de nombreuses personnes. Une science qui va capitaliser ce qui a été produit de nombreuses années, puisqu'on ne va pas repartir de chaque fois de la feuille blanche. On va s'appuyer sur des articles qui font référence et qui ont été évalués. Donc une science qui va innover plus rapidement. Voilà de quoi je vais parler principalement. Et là, c'est un peu la minute de pub. Pourquoi? Justement, parce que cette science, c'est celle qui est visée à la direction pour la science ouverte, à INRAE. La DIPSO va mettre en œuvre cette politique de science ouverte par différentes actions autour, par exemple, de l'édition scientifique, des sciences et des recherches participatives et toute son offre d'outils, de services numériques qui vont permettre aux chercheurs de produire cette science plus ouverte. Donc, en gros, ce que l'on fait au quotidien, c'est de donner les moyens aux scientifiques pour être plus proches de cette science ouverte et donc des principes FAIR. On pourrait voir un peu plus loin dans l'URL que je vous ai fournie tous les services qui sont proposés à la Direction pour la science ouverte. Mais pourquoi parler de science ouverte, bien sûr, c'est parce que c'est en faisant cette science ouverte qu'on va faire un grand pas vers la reproductibilité. Alors, justement, comment passe-t-on de l'ouverture à la reproductibilité en s'appuyant fortement sur les principes FAIR? Je l'ai un peu dit, ouvrir, c'est un bon début, c'est se mettre dans des bonnes conditions pour être reproductible. Et les principes FAIR que je ne redétaille pas aujourd'hui, mais vous êtes bien au courant de ces principes-là. Ces principes vont être très utiles pour se rapprocher de la reproductibilité. Après, les principes FAIR ne garantissent pas la reproductibilité, hein. Pour être reproductible, il faut être ouvert. Et bien sûr, sinon, on ne met pas à la disposition ces sources. Mais le R de faire, ce n'est pas, ça ne veut pas dire ouvert. Le R, c'est définir le type de licence pour cadrer la réutilisation. C'est réutilisable, donc c'est définir le cadre pour réutiliser les données. Et si on s'en tient à la définition stricte du faire, on pourrait avoir des licences qui n'ouvrent pas complètement les données et qui ne garantissent pas la reproductibilité. Donc, R ne veut pas dire forcément ouvert, le R de faire, ni encore moins reproductible. Donc, on va voir l'effort supplémentaire qu'il faut faire pour cela. Ensuite, juste un constat, être reproductible, vous le savez tous, c'est comme quand on parle des principes FAIR, on n'est pas faire ou non faire, reproductible ou non reproductible. Être reproductible, c'est une cible, un objectif que l'on se fixe et il va falloir l'atteindre petit à petit par nos pratiques au quotidien. Justement, j'aime bien m'appuyer sur ce spectre de la reproductibilité. Donc, vous avez la référence en bas, on a communément envie de dire, lorsqu'on fournit nos publications, lorsqu'on ouvre la publication et nos données, bah, on est reproductible. Mais si on regarde un peu ce schéma-là,
partager les résultats, les données, ce n'est pas suffisant. Et même en partageant les codes, ce n'est pas suffisant non plus. Côté gauche, où on n'est pas reproductible, bien sûr, si on ne fournit pas les codes avec lesquels la publication et les données ont été produits, on ne va pas être reproductible. Mais même en fournissant les codes, même en fournissant la documentation autour de ces codes-là, on n'est pas forcément totalement reproductible. Il faut aller vers des étapes supplémentaires que l'on va voir maintenant. Alors, je parle de reproductibilité depuis le début, mais est-ce qu'on peut parler d'une définition de la reproductibilité avant de passer à des cas concrets? Qu'entend-on par reproductibilité? Dans les premiers travaux, on s'accorde à dire dans les années 90 que c'était plutôt des notions de réexécutabilité. Voilà. Sur des expérimentations qui étaient plutôt mécaniques, calculatoires, si on pouvait, en appuyant sur le bouton, faire retourner le process et obtenir les mêmes résultats, on était reproductible. La définition, elle s'est affinée petit à petit au cours du temps, et maintenant, on trouve des notions plus précises qui combinent le fait de si c'est vous ou votre équipe qui va rejouer l'expérimentation, ou si c'est une autre équipe indépendante qui le refait, et également le critère si l'expérimentation est rejouée en utilisant les mêmes dispositifs expérimentaux ou pas. En combinant ces quatre possibilités, on fait référence à des définitions un peu standards que l'on retrouve énoncées par le Bureau international des poids et mesures, par exemple, ou par le NISO, qui est un organisme américain à but non lucratif, qui va décrire des normes dans le domaine de l'édition et de l'accès à l'information. On va retrouver dans les publications un peu ces trois définitions. Sur la répétabilité, la reproductibilité et la réplicabilité. La répétabilité, vous le voyez, c'est la même équipe qui, avec le même dispositif expérimental, va reproduire les mêmes résultats. Donc, on dit que les résultats sont répétables. Reproductible, ici, c'est une équipe différente qui, avec mon dispositif expérimental, celui qui m'a permis à publier, va reproduire les mêmes résultats que j'ai obtenus. Et la réplicabilité, c'est une équipe différente qui, avec un dispositif expérimental différent, se rapprochant, va reproduire des résultats assez proches de ceux que j'ai produits. Donc on voit que là, la reproductibilité, c'est plus une notion de validation par les pairs, de certification que ce que j'ai fait par un tiers. Peut être reproduit, tandis que la réplicabilité, c'est plus une notion de comparaison de résultats. On ne va pas obligatoirement trouver les mêmes résultats parce qu'on est dans un environnement différent, mais qualitativement, on aura les mêmes. Et par exemple, on aura pu le vérifier avec des données comparables, ce qui va donner plus de robustesse, aux résultats. Et pour terminer, de manière assez commune, on utilise une définition assez pragmatique de la reproductibilité en dehors de ces trois définitions bien distinctes. C'est une recherche qui va mettre à disposition d'un tiers toutes les informations qui permettent à n'importe quel chercheur indépendant de reproduire ses résultats. C'est dans ce cadre-là que l'on va se situer aujourd'hui. Alors les enjeux, pourquoi faut-il être reproductible? On peut les lister autour de trois enjeux prioritaires. La confiance en la science. On peut être, comme le dit Ouchka en 2013, seuls les résultats reproductibles sont des résultats scientifiques. Les autres, on ne peut pas prouver leur véracité, donc on ne peut pas les reproduire, donc ça ne peut pas être classé comme des résultats scientifiques. Donc la confiance, c'est un enjeu important de la reproductibilité. La performance, ensuite,
Ben, quand je suis reproductible, je suis plus efficace, je suis plus performant et innovant, puisque je vais donner du temps pour inventer de nouvelles, je vais me donner du temps, ou donner du temps à d'autres personnes pour inventer de nouvelles choses, plutôt que de recréer celles qui existent déjà. On retrouve ce concept dans Thunder Valley Hall en 2009. Enfin, c'est des enjeux de bénéfices qui sont aussi cités pour moi, d'abord, puisque je vais être plus efficace lorsque je vais changer mes paramètres, je vais pouvoir reproduire exactement ce que j'ai fait. Je vais changer mes hypothèses plus facilement et corriger mes erreurs plus facilement. Et enfin, pour les autres, je serai mieux compris, je pourrai valider les résultats et aller plus loin. Alors, est-ce qu'on peut toujours être reproductible? Ben non, la reproductibilité, c'est quand même assez discipline dépendant, et dans certaines disciplines, ces conditions ne le permettent pas. Par exemple, ça dépend du sujet d'étude que j'étudie, sur lequel je m'intéresse. Si par exemple j'ai un panel d'individus que j'interroge et j'obtiens des résultats, si j'interroge le même panel d'individus à des dates différentes, cela peut donner des réponses différentes et entraîner de la non-reproductibilité. Tandis que si je travaille sur des éléments, je fais une réaction chimique entre deux matériaux, par exemple, ça donnera toujours le même résultat. Donc, c'est quand même assez discipline dépendant. Ensuite, il peut y avoir des savoirs tacites qui ne sont pas à énoncer, reproduits dans la publication et qui empêchent quand même la reproductibilité. Dans ces cas-là, on essaye d'être le plus transparent possible et de tracer tout ce que l'on a fait pour inspirer la confiance dans ce que l'on a fait. Alors, quand doit-on être reproductible? Je dirais, tout au quotidien, à chaque étape du cycle de vie, soit du projet, soit des données que l'on crée. C'est pas à la fin qu'on va dire, on revient en arrière et on va re tout refaire tourner pour être, on va tout reconfigurer pour être reproductible. Non, ça, on le fait jamais. Donc, il faut le faire petit à petit au quotidien, tout au long du cycle de vie du projet. De la conception en planifiant les différentes étapes, en partageant les hypothèses avec les collègues et plus largement en partageant ses sources, à la réalisation de l'expérimentation, en donnant accès, en traçant les différentes, en donnant accès à ces questions de recherche, en traçant les différentes étapes. Lors de la production, c'est rendre accessible l'ensemble de ces productions. Et en décrivant les règles de diffusion aussi pour y avoir accès plus tard, mais aussi en facilitant l'évaluation par les tiers. Un projet de recherche, ça se réalise dans la durée, sur plusieurs années parfois, donc ça se conçoit à plusieurs étapes et ça évolue dans le temps, donc il faut être rigoureux sur ces étapes-là. Donc, vous l'avez un peu entendu jusque-là, sur quoi doit porter nos efforts quand on veut être productif, ce sont les données, les codes et l'environnement. Les données, que ce soit celles qu'on utilise, celles qu'on produise, les codes, c'est tout ce qui a servi à produire les données, à mettre en œuvre les modèles et à obtenir les résultats. Et l'environnement, c'est à la fois les méthodes de travail qu'on a utilisées, les étapes par lesquelles on est passé. Et les outils, les logiciels, l'environnement logiciel que l'on a utilisé. Bon, maintenant, je vais donner quelques éléments pour voir comment on fait en pratique dans chacun de ces domaines. Pour être tout d'abord reproductible dans ces données, première chose, c'est d'ouvrir. C'est ce qu'on je disais un peu avant, si ce n'est pas ouvert, on ne peut pas être reproductible puisqu'on ne donne pas l'occasion à quelqu'un d'autre de refaire ce que l'on a fait. Donc, c'est de déposer ces données dans des entrepôts ouverts. Une fois qu'on a fait ça, ça nous donne accès à beaucoup de choses, puisque ces entrepôts, ils sont indexés. On a mis des métadonnées, donc on est plus visible et on comprend mieux la nature des données que l'on a produites. On peut bien sûr bien renseigner les métadonnées, surtout penser aux bonnes licences que l'on va utiliser.
Là, j'en ai cité quelques-unes. Les licences ODBL et TALAB, ce sont des licences les plus couramment utilisées en termes de données, bases de données, par exemple DataGouv ou Recherche DataGouv, des entrepôts nationaux de données publiques. Et la licence CC BY, qui est une licence plus ouverte, enfin, ne concerne pas que les données. La licence sur les Creative Commons concerne pas que les données. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données que l'on produit, nous, dans nos établissements publics, dans le cadre de nos missions de service public, elles sont concernées par la loi que l'on appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. On en parlera peut-être dans les interventions suivantes. Mais donc, elles doivent être rendues publiques. Donc, on a cette obligation-là de rendre publiques les données que l'on produit à partir du moment où elles sont considérées comme achevées. Et souvent, c'est la publication qui nous dit que bon, là, nos données elles sont achevées puisqu'elles ont donné lieu à une publication. Et donc, il va falloir bien les déposer dans un entrepôt, les renseigner les métadonnées, mettre les bonnes licences pour les partager. Mais ça ne se fait pas une fois qu'on a fini le travail. Ça peut se commencer dès la collecte et pendant les traitements. Lors de la collecte, c'est utiliser les bons standards, les bonnes unités et les bons outils de mesure avec des bons référentiels pour que très facilement d'autres personnes puissent réutiliser nos données. Si on est dans des outils de mesure plutôt exotiques ou des unités qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, ça sera plus difficile d'être productible. Donc, utiliser des référentiels, des choses déjà établies, des bons formats qui vont garantir la pérennité dans le temps et la lisibilité de ces données. Lors des traitements, il y a des tas de choses, de petites choses que l'on peut faire tous les jours pour améliorer la reproductibilité de nos données. Je ne vais pas les passer en détail. Je vais déborder peut-être un petit peu, mais vous les retrouverez dans la publication qui est en dessous. Ce sont des collègues de INRAE qui ont produit ça, How to Make a Pie. Il y a énormément de conseils sur comment au quotidien, bien traiter ces données, bien les tracer et les rendre réutilisables. Voilà. Je passe plutôt à la reproductibilité du code maintenant. La reproductibilité du code, c'est d'écrire également et commenter ces codes et leurs enchaînements. C'est plus que mettre des commentaires dans son code, c'est bien montrer comment ils s'enchaînent entre eux. Alors, on peut le faire avec des outils très simples comme des logigrammes ou plus élaborés comme des notebooks qui mêlent à la fois le code, les remarques, les résultats et différentes informations. Bien sûr, là aussi, il faut utiliser des standards compris par ma communauté ou par l'ensemble des communautés, c'est-à-dire des frameworks, j'en ai cité deux, mais il y en a d'autres, hein. Bien sûr, j'ai dit au début, je ne vais pas être exhaustif. Des langages de programmation courants, plutôt des logiciels libres. Dans mon domaine, c'est R ou c'est Python, mais vous pouvez aller vous renseigner sur l'ensemble des logiciels libres qui sont recommandés par le gouvernement. Sur le site que je vous ai indiqué là. C'est travailler, être productif dans son code, c'est travailler aussi dans un environnement partagé, parce qu'on travaille souvent à plusieurs, choisir des bonnes licences, ce ne sont pas les mêmes sur les données que sur les codes. C'est travailler avec des outils de gestion, de version, idéalement, c'est travailler dans une forge quand on travaille dans du code, parce que la forge permet le versionnement, le travail collaboratif, et des tests d'intégration lorsqu'on rajoute des fonctionnalités. C'est aussi archiver son code. On a une archive ouverte qui est Software Heritage
qui est disponible pour ça. Et c'est publier son code. Aussi, on peut publier son code dans des revues ouvertes ou ses logiciels dans des revues ouvertes. Ça, c'est être reproductible dans son code. Et je disais le troisième élément, dernier élément, c'est être reproductible dans son environnement de travail. C'est-à-dire décrire son environnement, les conditions de son expérimentation, les préparer à l'ouverture. Voilà, donc c'est avoir des. Décrire les sources, la bibliographie utilisée, les droits d'utilisation et de réutilisation. C'est utiliser c'est décrire aussi les outils, matériel, logiciel, utilisés pour le traitement ou pour le calcul, tracer et versionner sa progression dans le cheminement de l'expérimentation. Donc ça peut se faire, par exemple, en utilisant des plans de gestion de données ou des plans de gestion de logiciels. Ces outils-là, ils vont vous permettre de décrire tous les produits de recherche que vous avez élaborés pendant votre projet. Donc, les outils standards, c'est Oppidor, c'est Data Stewardship ou Argos pour des plans de gestion machine actionable. Vous bénéficiez de trames déjà connues par l'ensemble de votre communauté. Et ça vous permet donc de décrire tous les produits de recherche. C'est plus facile après pour quelqu'un qui veut reproduire votre recherche. C'est tracer et versionner sa progression, ça peut se faire aussi avec des cahiers de laboratoire électroniques. J'en donne deux exemples, ou des systèmes de gestion de tâches comme des Kanban. Voilà. Il faut être le plus transparent possible sur son cheminement. Être productif dans son environnement, c'est aussi faciliter la réutilisation de tous les objets numériques que l'on va produire. Je ne reviens pas sur déposer ces données, ces codes dans un environnement. Ça vous permet d'indexer, de les rendre accessibles, ouverts et d'avoir un environnement sauvegardé. D'avoir un environnement aussi partagé avec des collaborateurs et sauvegardé. Et de lier les données aussi, ce qui est possible de faire, les données, le code et les résultats, et ce qui est recommandé dans des documents plutôt qu'on appelle documents computationnels, du type Jupyter Notebook ou RStudio Notebook. Tout ça permet de reproduire tout ce que l'on a fait durant son expérimentation. Indexer les objets. Je n'y reviens pas, mais c'est aussi plus facile pour les retrouver, plus facile à comprendre le sens que vous mettez derrière un terme ou une donnée, et bien sûr les publier dans des revues plutôt ouvertes, à la fois ces résultats, mais aussi publication de data paper. Malgré tout cela, la reproductibilité peut être difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que l'environnement d'exécution est difficile à reproduire. J'utilise un logiciel dans un environnement, il peut se comporter différemment dans un autre environnement. Ça va dépendre du compilateur, des bibliothèques que l'on a utilisées, des versions des logiciels. Et ça, c'est difficile à produire dans un autre environnement. Si quelqu'un l'utilise sur un autre système d'exploitation, ça peut être difficile, il a peut-être du mal à le reproduire. Donc, ça peut être un frein à la reproductibilité. J'ai mis trois exemples ici pour montrer qu'est-ce qui peut être fait. C'est sur un gradient, c'est progressif dans la complexité, mais aussi dans la reproductibilité. La première façon de faire, c'est de copier l'ensemble. Ces données, le pipeline d'analyse de ces données et les dépendances de ce logiciel dans des machines virtuelles et les fournir à une tierce personne, dans des systèmes de conteneurs, par exemple. J'en cite deux, mais il y a d'autres principes, hein. Ça, c'est assez facile à faire. Vous donnez l'ensemble de votre pipeline d'analyse et normalement, quelqu'un
peut le rejouer, mais ceci, c'est une solution qui est un peu système dépendant. Certains pipelines peuvent tourner dans des environnements et pas dans d'autres. Donc, après, on peut utiliser des systèmes de gestionnaire de paquets qui vont gérer justement les versions des différentes bibliothèques que vous utilisez, ou alors déployer des pipelines dans des environnements un peu plus complexes comme Gix. Ce sont des tendances actuelles pour rendre les environnements d'exécution reproductibles. Je ne descends pas dans le détail ici, mais vous pourrez aller voir ce qu'il en est. Je conclue rapidement. Je ne sais pas juste où c'est que j'en suis, mais je vais sûrement un peu dépasser. Je conclue pour dire quand même on va dans la bonne direction. La reproductibilité, c'est plus ou presque plus un problème d'outils. Vous l'avez vu, on a de nombreux outils qui nous permettent d'aller vers des recherches reproductibles. Le plus gros frein, c'est nous, chercheurs. Pourtant, nous tous, on la souhaite cette reproductibilité parce qu'on en a besoin pour aller plus vite et pour avancer dans nos recherches. On a l'habitude de dire que les sources de non-reproductibilité, c'est la négligence, l'erreur et la fraude, j'ai envie de dire. Bon, la fraude, bon, on laisse tomber, les chercheurs ne sont pas des fraudeurs. La fraude, ça doit toucher très peu de pourcentage. Ce qui nous impacte souvent, c'est l'erreur, parce que si on travaille seul, on peut faire des erreurs et on en fait tous, tandis qu'en partageant, on fait beaucoup moins d'erreurs. Et la négligence, c'est parce que on estime toujours au départ qu'on travaille sur un coin de table, et après, ouvrir tout ce que l'on a fait et le rendre reproductible, c'est beaucoup plus dur. Donc, faut faire attention et être moins négligent au départ quand on démarre une étude. Bien sûr, la complexité, c'est aussi un élément de non-reproductibilité. Plus la manip est complexe, plus ça va freiner. Et je termine par quelques initiatives qui c'est encore pas exhaustif, bien sûr, mais ça donne des idées. Il y a des revues qui ont des comités d'évaluation de la reproductibilité des articles. Il y a des conférences qui évaluent la reproductibilité des articles qu'elles acceptent. Dans chacun des cas, ce n'est pas pour sanctionner, c'est pour accompagner l'auteur à rendre plus reproductibles ses recherches. Puis il y a des structures ou des organisations qui certifient ou qui délivrent des badges ou des guides pour des auteurs dans certains domaines. Voilà. Bon, ici, c'est plus orienté sciences humaines et sociales, mais vous le retrouverez dans tous vos domaines. Voilà, j'espère ne pas avoir trop débordé et qu'il reste un peu de temps. Merci beaucoup Eric. De toute façon, rassure-toi, même si tu as un peu dépassé, c'est pas grave. Et il y a un temps de questions prévu à la fin, de toute façon. Donc OK. là, effectivement, dans le temps imparti, on s'était dit que dans 1 minute, c'était à Émilie. Donc on va peut-être rassembler les questions pour après, si ça vous convient. Donc Joséphina, je te passe la parole, si tu veux bien. Alors, je réactive juste ma caméra. Je pensais J'ai qu'il essayé va y avoir d'arrêter. un temps de questions. Alors, merci beaucoup. La seconde intervention sera présentée par ma collègue Émilie Masson, qui, après 12 années en tant que responsable juridique au sein du service de protection des données au CNRS, a rejoint INRIA en tant que déléguée à la protection des données adjointe. Ces missions consistent à accompagner la mise en œuvre du Règlement général de protection des données, c'est-à-dire l'organisation et la gouvernance de la protection des données personnelles. Et justement, le RGPD prévoit pour les données personnelles des durées de conservation limitées afin de protéger la vie privée des personnes ayant participé à la recherche. Émilie nous expliquera comment cette injonction peut s'articuler avec la nécessité de les conserver pour des durées plus longues à des fins de reproductibilité de la recherche. Sa présentation vise à donner quelques pistes pour arriver à concilier justement le RGPD et les impératifs scientifiques sur ces aspects. Mais je n'en dis pas plus. Émilie, je te passe la parole. Merci beaucoup pour ton intervention par avance. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, je vais partager mon écran. Ça m'a refusé, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bon? C'est tout bon. Oui, c'est nickel. Très bien. Impeccable. Donc voilà, l'idée, alors, c'est de vous montrer dans quelle mesure aujourd'hui le RGPD est-il ou non un frein à cette reproductibilité de la recherche. Donc, tout d'abord, j'ai voulu vous décrire de quoi on parle quand on parle RGPD. Donc, dans la présentation précédente, on avait évoqué justement la mise à disposition de la loi CADA. Alors, je ne vais pas du tout en parler. Pour le coup, de la loi CADA, je n'avais pas prévu avec cette obligation de communiquer les données de la recherche. Par contre, je vais vous parler plutôt du côté RGPD qui peut paraître restrictif au regard de ces questions-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça décale un petit peu, je suis désolée. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, puisque le RGPD étant le règlement général à la protection des données, sur le principe, on a tendance à dire que ça empêche de diffuser, on protège les personnes qui participent à nos recherches-là, mais il faut au préalable être capable de définir. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis décalée, hein. Je suis vraiment désolée, je vais juste essayer de le remettre bien. Évidemment, ça marchait bien quand on a essayé avec Laetitia tout à l'heure. Voilà, je vais juste. Normalement, ça devrait bien marcher. Bon, on va dire que ça va bien marcher. En tout cas, de toute façon, vous aurez évidemment la présentation. Voilà, ça marche un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? En fait, la définition de la donnée à caractère personnel, c'est toutes les informations qui vont concerner une personne vivante qui va être réputée identifiable ou identifiée directement. Donc, je vous ai mis pas mal d'exemples sur la possibilité d'avoir des données d'identification. Donc, on a des noms, des numéros, des noms d'agents, fonctions, téléphone, email. C'est assez facile pour les données directement identifiantes. On arrive très facilement soit à les enlever d'ailleurs, soit à minima à les identifier dans le cadre de corpus. Par contre, on va avoir des problèmes pour les données qui vont être indirectement identifiantes. C'est notamment toutes les données qui, grâce à un faisceau d'indices, vont permettre, dans ces cas-là, de réidentifier une personne. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des fonctions, un établissement d'appartenance, une localisation. Plus on aura de données dans le corpus de recherche, plus il y a des chances que ce corpus devienne identifiant et donc que le RGPD s'applique. Justement, à contrario, pour pouvoir ne pas appliquer le RGPD et pour pouvoir justement publier nos données de la recherche très facilement et donc d'avoir moins besoin de cette protection-là, on a ce qu'on appelle les corpus anonymes. Alors, très souvent, on a des problèmes autour de cette définition-là. C'est pour ça que j'ai voulu, dans mon introduction, le mettre en avant. Qu'est-ce qu'un corpus anonyme? C'est à partir du moment où plus personne au sein du corpus ne peut être réidentifié. Je donne un exemple. Si vous travaillez sur un corpus de la Seconde Guerre mondiale, des personnes au sein de ce corpus-là seront encore vivantes. Si elles peuvent être réidentifiées, le corpus ne sera pas anonyme. Si vous avez une seule personne qui peut être réidentifiée, le corpus ne sera pas anonyme. Donc c'est vraiment une définition. Le côté anonyme, c'est une définition qui est très stricte et pour le coup qui a tendance à rarement s'appliquer. Donc on a eu quelques indices puisque dans les projets de recherche, il a fallu travailler sur ces aspects-là et notamment avec l'avènement de la science ouverte. Il faut donc pour déterminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ça a sauté, il me semble. Alors. Voilà, ouais, on va estimer que ça marche. Pour déterminer si une personne est identifiable ou non, il faut prendre en considération l'ensemble des moyens que vous avez à votre disposition. Donc, ça veut dire évidemment qu'on n'utilise pas les moyens de la NASA, évidemment qu'on ne présage pas d'avoir une organisation terroriste derrière.
c'est les moyens qu'on peut raisonnablement mettre en œuvre. Et donc, vous avez quelques questions à vous poser dans le cadre de ces données-là. Si il faut déterminer s'il est possible d'isoler un individu. Si dans votre corpus, on peut juste isoler un individu, mais qu'on n'a pas le nom ni le prénom de cette personne-là, cela signifie que votre corpus est identifiant. Si on peut relier des données ou des enregistrements entre eux, ça signifie que ce corpus est identifiant. Et enfin, si on peut déduire des informations concernant un individu, ça signifie que ce corpus est identifiant. Donc ça, c'est des questions à se poser, notamment quand vous voulez publier des données, notamment dans le cadre des PGD, notamment dans le cadre de l'ouverture de la donnée en fin de projet. Si vous répondez oui à une de ces trois questions, ça veut dire que le RGPD continue à s'appliquer. Donc ça, c'est pour la première partie, justement, quelques définitions afin de connaître l'environnement dans lequel on va se retrouver. Quand le RGPD est applicable, on a quelques principes, et je vais y passer très rapidement, c'était vraiment un titre d'introduction, on va avoir quelques principes qui vont s'appliquer à ce traitement de données à caractère personnel. Le premier principe, c'est la base légale, la licéité du traitement. Ça veut dire que dans le cadre de vos activités de recherche publique, vous avez le droit de mettre en œuvre ce traitement. Ce n'est pas forcément le cas si vous travaillez dans le cadre d'une association ou dans le cadre d'autres activités que vous pouvez mettre en œuvre. Mais en tout cas, dans la recherche, le traitement est considéré comme licite parce qu'il participe à cette recherche-là. La finalité du traitement, ça veut dire que vous avez un objectif de recherche et qui vous permet justement de collecter les données. La minimisation des données, je ne vais pas m'y attarder parce que justement, dans ma deuxième partie, avec les questions de reproductibilité, on va le voir. Et la durée de conservation limitée, c'est la question essentielle qui va nous intéresser ici, puisque le RGPD nous indique, et comme la loi française évidemment, le RGPD nous indique que les données ne doivent pas être conservées au-delà d'une durée nécessaire à l'exercice de la finalité. Ça signifie dans ces cas-là que, normalement, à la fin d'un projet de recherche, on pourrait imaginer que ces données-là ne devraient plus être conservées, ce qui va évidemment à l'encontre des questions qui nous occupent aujourd'hui. La transparence, c'est l'information des personnes quand vous réalisez un traitement. Le droit des personnes, c'est les gentils petits paragraphes que vous pouvez voir sur tous les formulaires avec le droit d'accès, de modification, de suppression, etc., etc. Ce sont évidemment des obligations légales et la sécurisation des données, on va le voir juste dans la partie suivante, ça veut dire que vous avez une obligation et pour le coup, elle est assortie d'une responsabilité pénale qui vous indique que vous devez assurer la sécurité des données personnelles, quel que soit le moment. Et on va aussi y revenir justement dans la partie qui concerne la durée limitée, est-ce que c'est une conciliation impossible avec la reproductibilité? Puisqu'effectivement, on a deux textes qui vont s'opposer. On a un texte relatif à l'intégrité scientifique qui nous dit, au contraire, il faut pouvoir reproduire les résultats, assurer l'intégrité et donc conserver ces données brutes. Et en face, on a une loi qui date de 78 et qui a été modifiée à plusieurs reprises, qui indique qu'à partir du moment où on est face à des données à caractère personnel, on ne doit pas conserver les données au-delà d'une durée strictement nécessaire à notre projet. Donc, du coup, comment est-ce qu'on arrive à concilier ça? Alors, je vous rassure, sur le principe, on y arrive très bien, puisque sinon, on ne pourrait pas faire de recherche actuellement. On a la possibilité d'évoquer deux systèmes, à mon sens. Alors, tout ce que je dis là, c'est à mon sens et avec des interprétations qu'on a pu mettre en place. Maintenant, évidemment, on peut en discuter et on peut échanger sur l'ensemble de ces aspects-là. La première possibilité, c'est que la loi nous permet de conserver des données pour des durées plus longues dans le cadre des projets de recherche, à partir du moment où cette conservation n'a pour objectif que de réaliser des projets de recherche scientifique. Alors, historique ou statistique, je vais en parler, nous on va évidemment parler des projets de recherche scientifique. Ça signifie qu'à partir du moment où vous êtes dans le cadre d'un traitement de données qui n'a pour objectif que de réaliser certains projets, de recherche scientifique et non pas une autre utilisation,
on pourrait envisager des durées de conservation qui seraient plus longues. Ça veut dire qu'on n'est pas, il n'y a pas de possibilité de conserver ces données ad vitam aeternam. Par contre, on pourrait déterminer une durée qui serait plus longue que le projet initial, que le projet de départ, que l'encadrement qu'on avait prévu au départ. Tout ça se justifie évidemment. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces mesures, ces projets, ces durées plus longues? Évidemment, ce n'est pas un blanc-seing où on peut faire n'importe quoi. Le texte a prévu que si on souhaitait faire jouer cette possibilité-là avec cette conservation plus longue, il fallait mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Et c'est bien pour ça que je ne me suis pas attardée sur l'aspect confidentiel et sécurité dans ma première partie. C'est parce qu'effectivement, dans ce cadre-là, il faut être capable de mettre en place des mesures, alors que ce soit technique, ça on voit bien côté technique, ça veut dire physique, les stockages, mais aussi organisationnel, pour protéger les personnes, parce qu'en fait, il faut toujours garder en tête que cette loi, elle était prise pour protéger les personnes physiques contre certaines dérives. Et donc, dans ce cas précis, on va mettre en place des mesures pour protéger les personnes, parce que vous allez les conserver beaucoup plus longtemps que ce qui serait permis au départ. Alors, quelques mesures techniques que je vous ai mis, techniques, pardon, ou organisationnelles. Donc, en premier niveau, pour avoir cette durée plus longue, on va limiter les destinataires des données, c'est-à-dire qu'on va limiter les personnes qui vont avoir accès à ce type de données-là. On va réaliser des opérations de pseudonymisation lorsque c'est possible. Évidemment, si vous réalisez une opération d'anonymisation totale, vous pouvez les garder ad vitam aeternam et il n'y a plus de RGPD qui s'applique. Donc, je ne suis plus du tout concernée par votre projet de recherche, moi ou mes collègues, hein, parce qu'on est quand même plusieurs. Vous allez réaliser ces opérations de pseudonymisation quand l'anonymisation n'est pas possible. On minimise les données. Alors, la minimisation des données, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne conserve, qu'on ne collecte, qu'on ne traite, qu'on ne garde que les données qui sont strictement nécessaires à notre projet de recherche. Un exemple, si vous recueillez beaucoup, beaucoup de données à caractère personnel, parce qu'au départ, vous réalisez des entretiens, dans cette conservation, dans ce stockage qui sera d'une durée plus longue, on va minimiser les données, on va ne conserver que les données qui seront vraiment nécessaires et on va expurger, alors soit par des transcriptions, soit par des choses comme ça, les données qui ne sont plus nécessaires à notre objectif, à la reproductibilité des résultats, à la réutilisation des résultats, évidemment. Dans ce cas précis, ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'open data, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à disposition de la Terre entière nos données de la recherche. On peut effectivement les conserver, mais on ne peut pas les publier, notamment sur des sites Internet où c'est des entrepôts de données. On a accès libre. Et on va utiliser dans ce cadre précis des solutions de stockage sécurisées. Alors, je vais modifier l'erreur, évidemment. La coquille, mais on va utiliser plutôt des solutions de stockage sécurisées, donc soit des solutions proposées par nos établissements, des solutions institutionnelles, des solutions étatiques, des solutions des partenaires, tout dépend après de la volumétrie, etc. Mais on a plusieurs types de solutions dans le cadre de ces durées plus longues à mettre en place. La deuxième partie qu'on peut utiliser, et justement le deuxième, on va dire, moyen pour pouvoir assurer ce type de conservation à long terme, de reproductibilité des résultats de la recherche, on peut tout à fait partir sur ce qu'on appelle l'archivage. Alors l'archivage, je vais m'arrêter, je ne suis pas archiviste, mais l'archivage, en fait, en droit français, ça a été évoqué juste avant avec la CADA, mais l'archivage en droit français, nous sommes des établissements publics. À partir du moment où nous créons, recevons dans le cadre de nos activités publiques des données, ce sont des archives publiques au sens du Code du patrimoine. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs étapes dans le cycle de vie de la donnée côté archivage. On a l'archivage courant, donc c'est pendant le projet. Vous allez avoir tout ce qui est archivage intermédiaire et archivage définitif. L'archivage intermédiaire est une étape qui nous permet de conserver des données, notamment, ça va intervenir, et je vous ai mis la définition, et la CNIL le reconnaît assez facilement. L'archivage intermédiaire va intervenir une fois que vous avez fini, vous avez atteint votre objectif de traitement de données, mais que potentiellement les données
peuvent servir encore à quelque chose. Très souvent, on estime que ces données pourraient servir à des fins administratives, à des fins, notamment en cas de contentieux, à des fins de à des moyens de preuve, pardon, en cas de contentieux ou ce genre de choses. On pourrait très bien imaginer que cet archivage intermédiaire réponde aussi à ce besoin de reproductibilité et donc de conservation au-delà de la durée nécessaire au projet de recherche. Donc, c'est un petit peu la proposition qui est faite ici, et c'est un petit peu ce qu'on peut retenir au quotidien. Alors, ce que j'ai pu retenir côté CNRS et ce qu'on peut retenir maintenant côté INRIA, c'est la possibilité d'avoir cet archivage intermédiaire qui permet de revenir sur ces données-là, alors soit en cas de soumission de projet, soit en cas de réutilisation à des fins futures. Et donc, quelles sont les caractéristiques de cet archivage aujourd'hui? Alors, on a plusieurs caractéristiques. On retrouve exactement la même définition que celle qu'on a pu voir précédemment pour la dérogation à des fins de recherche dans les durées de conservation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez mettre en place des mesures techniques et organisationnelles, notamment de nature à garantir la sécurité et la confidentialité des données. Par contre, comme on est encore un niveau au-dessus, on va prendre les mêmes mesures que celles que j'ai pu voir, à savoir la pseudonymisation, à savoir la minimisation, à savoir la sécurisation, la limitation des destinataires. Sauf qu'on va arriver à un niveau supérieur, puisque cette base-là sera ce qu'on appelle une base gelée, un corpus gelé. Et donc, on va encore plus limiter les personnes qui auront accès à ce type de données-là. On va encore plus imposer des mesures de sécurité. Alors, je vous donne quelques exemples. Dans le cadre qu'on a pu voir juste au-dessus, c'est-à-dire un allongement de la durée de conservation des données dans le cadre du projet de recherche à des fins de recherche. Uniquement à des fins de recherche scientifique, on peut avoir l'ensemble de l'équipe de recherche qui va encore continuer à avoir accès à ces données-là, puisqu'elles seront, elles devront les traiter, elles ont un intérêt à avoir accès à ces données-là. On peut avoir un doctorant, on peut avoir des étudiants de master, on peut avoir des postdocs, on peut avoir l'ensemble d'une équipe de recherche ou de partenaires dans le cadre des activités de recherche, puisque le projet est encore dans sa phase de vie, donc dans sa phase courante. Par contre, quand on passe dans la partie archivage, intermédiaire, ce projet n'a plus vocation à vivre. On a atteint la fin du projet, on va dire qu'on a publié les résultats de la recherche. Par contre, on peut encore avoir justement des intérêts scientifiques à conserver ces données de manière pseudonyme ou au moins identifiante. Et donc, dans ce cadre précis, on va avoir que quelques personnes bien identifiées, pardon, qui pourront avoir accès à cette base gelée, à cette base morte. On l'appelle comme on veut. Les informaticiens ont tendance à dire que c'est des bases gelées. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, elle reste en état et elle n'a plus vocation à être complétée. On va aussi demander, du coup, des mesures de sécurité plus importantes. Donc, on peut avoir, par exemple, dans la phase du projet, un hébergement des données sur plusieurs postes de travail très sécurisés ou ce genre de choses. Dans la phase d'archivage, on va les stocker à un endroit avec un processus de sauvegarde, avec des mises en place de l'intégrité, etc. On a quelques solutions qui peuvent exister dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On peut avoir des plateformes institutionnelles, on peut avoir notamment Humanum, on peut avoir tout ce genre de. Alors, s'il y a des linguistes, on a Ortolang qui a assuré ça. On a pas mal de choses qui sont mises en place, mais on peut aussi avoir des serveurs sécurisés au sein des équipes de recherche, des laboratoires de recherche, etc. Côté INRIA, il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs solutions qui sont en cours de développement actuellement, justement pour répondre à ce type de demande-là et de mise à disposition-là. Donc aujourd'hui, tout dépend des établissements. Je ne connais pas forcément l'ensemble des mesures qui ont pu être mises en place, mais je sais qu'il existe pas mal de plateformes institutionnelles. Au CNRS, on utilisait notamment Humanum avec derrière l'appui du CNES. On peut avoir des maisons des sciences de l'homme qui assurent ce genre de prestations. On a évidemment tous les entrepôts de données qui peuvent. Alors, pas forcément dans les solutions d'archivage intermédiaire, mais potentiellement qui peuvent avoir ce genre de service. Et donc voilà, tout dépend de vos établissements. Voilà, j'ai terminé ma présentation en essayant de rester à peu près dans les temps. Merci, merci beaucoup, Émilie. C'est super. Bah, on est parfaitement pile à l'heure.
Il y a eu une question dans le chat et n'hésitez pas à en poser d'autres si vous avez d'autres questions, Émilie. Dès qu'une personne décède, une donnée personnelle qui la concernait n'est plus concernée par le RGPD. Alors non, en fait, le RGPD ne concerne que les personnes vivantes. Donc à partir du moment où la personne est décédée, alors il faudrait, si vous avez ça dans un corpus qu'avec des personnes décédées, ça marche bien. Le RGPD ne va pas s'appliquer. Par contre, si vous avez un corpus avec quelques personnes décédées et d'autres vivantes, le RGPD va s'appliquer au corpus quand même. Mais effectivement, la définition de données personnelles ne concerne que les personnes vivantes. Ok, merci, la personne l'a dit. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Émilie? N'hésitez pas. Alors, il y a Elodie qui demande « Qui doit donner son accord pour l'ouverture des données une fois que tout est dans les clous ?» Alors c'est un peu, alors elle est un peu vague la question. Alors sur les aspects données personnelles, ça va être l'anonymisation par exemple pour l'ouverture. On pourra ouvrir l'ensemble des données en open data à partir du moment où on est sûr que le corpus a été anonymisé complètement. Et qui peut donner son accord entre guillemets, en général c'est un travail entre l'équipe de recherche et Ah, est-ce que c'est l'initiative du chercheur ou du labo? Alors, en général, c'est un travail entre l'équipe de recherche, de manière générale, donc soit c'est le chercheur, soit c'est une équipe de recherche, et les délégués à la protection des données, puisqu'ils sont capables d'accompagner et d'indiquer les bonnes questions à se poser pour savoir si on peut publier ces données-là ou les réutiliser. Aujourd'hui, on va dire que normalement, ça devrait être à l'initiative du chercheur en charge du projet, puisque c'est sur la tête du chercheur que repose notamment l'ensemble du PGD, c'est pas au niveau du labo, la réalisation de ce plan de gestion de données. Donc potentiellement, ça devrait être à l'initiative du chercheur. Comment définir la durée plus longue ou le moment pour archiver les données? Alors, la définition de la durée de conservation, elle est faite au regard de votre finalité. Donc, en fait, en général, c'est pareil. Alors, je ne botte pas du tout en touche, hein, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec les DPO. Je vais vous donner un exemple de la manière dont nous, on travaille. Les chercheurs reviennent nous voir et on travaille pour mettre en conformité leur projet de recherche. Très souvent, les projets de recherche ont des durées de vie, entre guillemets. Alors, soit c'est parce qu'il y a une thèse, soit parce qu'il y a un financement, soit parce que c'est un projet qui est très encadré. Bon, ça dépend, quoi, contractuellement. Et très souvent, on estime que 2 ans après ce projet de recherche, le projet est encore en durée plus longue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est encore en durée courante. Parce que soit il va y avoir des soumissions de publi, on a besoin de revenir aux données, on a besoin de reproductibilité, soit la thèse ne sera pas forcément complètement rédigée. Donc, on encadre ça de manière assez correcte en indiquant que 2 ans après la fin du projet de recherche, si on arrive à le déterminer, c'est une durée qui est potentiellement correct. Après, vous allez avoir des cas où, par exemple, sur les maladies rares, les recrutements sont plus compliqués. Le fait d'avoir des personnes concernées, c'est plus compliqué, il y en a moins, et on va augmenter ces durées-là parce qu'on va avoir beaucoup de mal à avoir des données, ça va être long, ça va être compliqué, donc on va aller souvent bien plus tard et bien plus long par rapport au projet. Très souvent, on archive à l'issue de cette durée courante. Pour finir la deuxième question de Nicolas. Au sujet de la sécurisation, vous parlez de responsabilité pénale, pourrez-vous détailler? Alors, la responsabilité pénale, en fait, simplement, elle existe par la loi. Alors, il y a une responsabilité pénale. Alors, si je veux détailler, c'est-à-dire à partir de quel moment vous êtes responsable, normalement, vous êtes responsable de mettre en œuvre des mesures de sécurité qui sont, comment dire, cohérentes avec la sensibilité des données que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre projet. Et en cas de défaut de sécurité, c'est une infraction pénale. Je vous rassure, si vous faites tout de bonne foi, et comme l'a dit avant, évidemment, les chercheurs ne sont pas tricheurs, si vous faites tout de bonne foi, normalement, il n'y aura pas de responsabilité pénale individuelle engagée, évidemment.
Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a une loi qui a vraiment appuyé très fort sur ces aspects sécurité. Et sur ces aspects sécurité, c'est-à-dire qu'on a des dérogations recherche, mais du coup, on a une responsabilisation qui est plus forte qu'elle n'était. Et donc, il y a vraiment, c'est vraiment une volonté de protéger les personnes. C'est-à-dire qu'on vous donne plus, c'est un peu comme avec les enfants, en fait, hein. On vous donne plus de liberté, mais en contrepartie, il faut que vous mettiez en place des règles un peu plus strictes derrière. Il y a plus de contrôle, sûrement. Est-ce que les données pseudonymisées peuvent être ouvertes quand les personnes ont donné leur accord express à cette ouverture? Oh oui, sur consentement, c'est tout à fait possible. Et vous avez ça notamment en ethno beaucoup, puisqu'on peut pas, on peut pas anonymiser complètement, sinon on perdrait de l'intérêt. Et oui, c'est tout à fait possible de gérer des consentements, mais ça veut dire que l'ensemble des personnes doivent avoir donné leur consentement express à l'ensemble de l'ouverture que vous envisagez. Voilà. Merci, merci beaucoup Émilie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il nous reste une petite minute ou deux. Sinon, vous pouvez toujours garder vos questions et on reviendra sur la session questions-réponses à la fin. Du coup, je passe la parole à Laetitia. Et Merci merci. beaucoup. Merci Joséphina, merci Émilie, merci Eric tout à l'heure. Et donc je vais maintenant pouvoir passer la parole à Florian. Donc Florian Naudet, qui est professeur des universités en thérapeutique à l'université de Rennes 1. Donc Florian développe une activité de recherche sur la recherche à travers laquelle il tente de mieux comprendre la valeur des preuves sur lesquelles nous nous reposons pour prendre des décisions thérapeutiques. Ces travaux l'ont amené à penser que la médecine fondée sur les preuves a évolué par rapport à ce qu'elle était censée être à l'origine. Les preuves sont parfois de qualité limitée, avec pour résultat une incertitude sur l'intérêt de certaines thérapeutiques et thérapies, pardon, et donc des prises de décisions difficiles et parfois controversées. Il travaille tout particulièrement sur les problèmes de reproductibilité dans la recherche thérapeutique. Les éditeurs de journaux médicaux considèrent généralement que le partage des données issues des essais thérapeutiques est un impératif éthique et ont mis en place une politique incitative. Il est important maintenant d'évaluer cette politique afin de savoir à quel point elle permet de favoriser la transparence, la réutilisation de données et la reproductibilité de la recherche thérapeutique. Cette présentation vise à faire réfléchir aux principales méthodes permettant de juger de l'impact de cette politique de partage sur la reproductibilité de la recherche thérapeutique. Florian, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup Laetitia pour l'invitation. Et donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc je vais aller à la vitesse de la lumière parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc on va commencer très rapidement. Donc voilà, je suis professeur de thérapeutique. J'ai pas de lien d'intérêt particulier avec les firmes du médicament et mes financements, bah, vous voyez, c'est plutôt des financements qui sont publics. Alors généralement quand je fais ce topo, je commence par discuter un cas. Et je prends l'exemple du vaccin Spoutnik, mais il se trouve que quand je fais ça, c'est trop long et que j'ai 20 minutes. Donc, quand j'étais dans le train et que j'ai préparé la séance, je me suis dit, je vais vous montrer quelque chose. Et comme je n'ai pas le droit de vous montrer tout un tas de données, je me suis dit, je vais vous montrer moi qui regarde des données. Donc, voilà l'exemple. Je regarde avec vous. J'espère que vous le voyez bien. C'est parfait. Bon, alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu, mais voilà ce que c'est. Ça, c'est un jeu de données qu'on peut avoir de temps en temps quand on explore des problèmes d'intégrité scientifique. Ce n'est pas tout à fait le vrai jeu de données que j'ai eu, mais il en est très, très inspiré. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a des patients en ligne, comme ça, tac, tac, tac. Donc forcément, là, c'est, on va dire, c'est pseudonymisé. Enfin, c'est quand même presque anonymisé parce qu'on vraiment on peut plus les reconnaître, quoi. Ils sont tous ceux-là dans le groupe placebo. Et ils ont des mesures d'une échelle, par exemple, là c'était une échelle du comportementaux, à baseline, à 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines. Et là, ce qu'on voit quand on nous ce jeu de données, c'est que les patients ont la même valeur en fait 4 jours de suite. C'est un peu comme si vous, je vous prenais la température 4 jours de suite et que vous aviez la même valeur. Bref, c'est ce qu'on appelle un jeu de données un petit peu moisi.
Et en fait, ça, on s'en rend compte très facilement quand on ouvre le dataset et quand on y a accès. Le problème, c'est que très souvent, on n'a pas accès aux jeux de données dans la recherche biomédicale pour des raisons finalement qu'on a évoquées un petit peu avant, puisque ce ne sont pas des données qui sont anonymisées, elles sont pseudonymisées. On a très rarement demandé le consentement aux gens de les partager en amont. Voilà. Bon, les éditeurs de journaux, eux, ils considèrent que c'est un impératif éthique et ils ont une politique. L'ICMJE, c'est International Committee for Medical Journal Editor. C'est une espèce de petit syndicat de journaux où il y a les principaux journaux médicaux, une petite quinzaine, et des journaux du monde entier d'ailleurs, dans ces 15. Et ils mettent en place des politiques que d'autres journaux suivent. Et on n'a plus de. Bon, on va lire, les journaux médicaux principaux suivent la politique de l'ICMJE. Qu'est-ce qu'ils nous disent, l'ICMJE? En fait, en 2016, ils ont publié une proposition en disant que partager les données, c'est un impératif éthique, en expliquant que, bah, en fait, puisque les gens ont accepté de prendre des risques dans les essais, et bah, en retour, on leur devait la meilleure utilisation possible de leurs données. Donc, c'est-à-dire de vérifier. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer là, avec un exemple sur la productivité, et déjà avoir la base de données et vérifier en fait que la base de données est sérieuse. Mais c'est aussi construire sur cette base de données, donc par exemple en faisant des méta-analyses sur données individuelles. C'est aussi construire en faisant des analyses secondaires, comme parfois on peut avoir des nouvelles questions de recherche qui se posent sur des bases de données qui sont collectées, et dans les essais thérapeutiques, elles sont collectées de manière très, on va dire, méticuleuse, et les données sont de très bonne qualité. Donc c'est des données qui ont beaucoup de valeur, donc les partager, c'est très important. Donc ils ont demandé, bah voilà, ils ont dit on va rendre ça obligatoire dans nos journaux et on attend votre feedback. Et la communauté, quand même, du coup, n'a pas été très très favorable pour partager tout en open directement. C'est pourquoi, en fait, un an plus tard, la proposition de l'ICMGE, ça a été simplement d'ajouter dans tous les articles qui rapportent des résultats d'essais thérapeutiques si les gens ont l'intention, oui ou non, de partager. Et d'obliger aussi à ce que les intentions de partage soient expliquées dès l'enregistrement de l'étude, c'est-à-dire bien en amont, parce que pour partager les données d'un essai, il vaut mieux le préparer à l'avance, notamment pour informer justement de la manière dont on va se resservir des données et comment on va le faire. Et donc, il faut y penser dès le début, donc dès l'enregistrement. Et vous voyez, ce n'est pas obligatoire, c'est simplement obligatoire d'indiquer si oui ou non on veut le faire. En tout cas, voilà, il tente à encourager. Donc, quand on veut évaluer l'impact de ces politiques, eh ben, en fait, on fait des travaux de méta-recherche, c'est-à-dire de recherche sur la recherche. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de travaux qu'on a fait pour regarder un petit peu comment cette politique déjà était implémentée dans les journaux et ce qu'elle a pu donner. Donc, on a regardé, par exemple, ici, je vais aller très rapidement, mais 14 journaux membres de l'ICMJE, ceux qui font la politique, et des journaux affiliés. À l'époque, on en avait 4892. Et là-dedans, on enlevait grosso modo les revues qui étaient plutôt prédatrices, parce qu'en fait, c'est très, très facile de dire qu'on est affilié à l'ICMGE. Donc, on a regardé ces deux groupes. Quand on regarde le groupe des journaux de l'ICMGE, en fait, on se rend compte que sur les 14, tous n'ont même pas mis en place la politique sur leur site web pour informer les auteurs, ce qui fait que ça limite un peu. Donc, en fait, il y en a 8 sur 14 qui avaient des politiques. Donc, 3 qui étaient plus demandeuses que l'ICMGE, donc qui obligeaient au partage. Une qui était moins demandeuse, du coup, et 4 qui étaient vraiment en ligne avec l'ICMJE. Vous voyez, tout le monde n'a pas appliqué la politique. Par contre, quand on va regarder les articles publiés dans ces journaux, on se rend compte qu'il y a des intentions des data sharing statements, c'est-à-dire le fait que oui ou non, on partage les données dans 98% des papiers, et 77% avec l'intention de partager, qui disent « nous, on va partager ». Donc, ce qui est déjà plutôt pas mal, puisqu'on partait de zéro, on arrive à 77% de gens qui ont l'intention de partager, c'est très bien. Quand on regarde par contre dans les autres journaux, pas seulement les 14 un petit peu centres de l'ICMJE, qu'on regarde un petit peu tous les autres journaux, on se rend compte que les chiffres sont beaucoup moins bons, avec, pour aller très vite dans les papiers, en gros 25% des articles qui ont des data sharing statements et 22% du coup qui mentionnent le fait qu'ils vont partager leurs données et qu'ils souhaitent le faire. Vous voyez, là on était à 77, mais dans la littérature médicale, on est plutôt aux alentours de 22% dans la plupart des autres journaux, ce qui est pas élevé. Regardez aussi si les financeurs s'y sont mis. On a pris des financeurs publics. Sur 41% des financeurs publics, ils ont une politique de partage de données. 41% des financeurs commerciaux ont une politique de partage de données. Les financeurs publics, c'est 38%. Donc, c'est de l'ordre de 40% pour les deux qui ont une politique de partage des données. Mais les financeurs commerciaux, eux, eh ben, ils enregistrent beaucoup mieux sur leur enregistrement sur clinicaltrials.gov.
le fait qu'ils ont une intention de partager. Et donc 59% expriment l'intention de partager sur thinkatria.gov. Tandis que les financeurs publics, on a 12% des études avec un financeur public qui exprime sur clinicaltrial.gov l'intention de partager. Ce qui fait qu'on est sur des taux d'intention déjà qui sont assez faibles à la base. Et vous verrez que taux d'intention, ce n'est pas suffisant pour juger du fait qu'il y a un partage efficace. Quand bien même vous prenez les financeurs privés, les compagnies pharmaceutiques qui ont des intentions de partage, là, on en avait screené 62 études qui sont soumises à l'EMA, l'Agence européenne du médicament, pour mettre sur le marché des médicaments, donc des médicaments que vous êtes susceptibles de prendre. On a sur ces 62 médicaments, 62 études médicaments, on en avait 49 qui étaient soumises à une politique de partage des données. On demande les données, simplement. Donc là, c'est simplement, ils n'ont pas juste dit qu'ils avaient l'intention de le faire, ils ont dit qu'ils ont l'intention de le faire, mais nous, on demande. En fait, on obtient les données pour 9 sur 49. Voilà. Sachant qu'il y en avait une parmi les 13 qui n'avait pas d'intention de partage, qui nous les a quand même partagées. Mais en gros, sur 62 médicaments, on arrive à se procurer les données pour 10 médicaments. Alors, c'est des médicaments qui sont sur le marché européen et que vous, du coup, utilisez potentiellement. Quand on a les données, et ça, c'était pour faire le petit clin d'œil à la question du jour sur la reproductibilité, en général, on reproduit plutôt très, très bien. Puisque là, par exemple, vous avez l'effect size qui est présenté dans les documents de l'Europe. Et ici, vous avez l'effect size que nous, on retrouve dans nos réanalyses. Et vous voyez quand même qu'il se distribue selon une ligne quasiment droite, quand on réanalyse ces données, on est capable d'à peu près bien reproduire. Mais de temps en temps, il y a des petits soucis. Je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe pour l'instant. Donc, une politique qui n'est finalement pas trop demandeuse et des gens qui, finalement, partagent un peu de manière aléatoire. Est-ce qu'on peut apprendre des choses déjà de ce qu'il y a aussi eu dans le passé? Parce que là, je vous montre des choses sur des études qui sont purement, on va dire... transversale, et maintenant on va regarder si on ne peut pas faire des études rétrospectives sur des journaux qui auraient des expériences de partage dans le passé. Donc là, vous pourrez regarder les journaux et comment ça s'est passé. En fait, c'est le journal Annals of Internal Medicine qui a un peu ouvert la marche en encourageant au partage des données et en demandant à tous les articles d'avoir une politique de partage. Ils ont fait ça en 2007. Ils ont été suivis en 2009 par le journal BMJ qui a eux aussi demandé aux gens d'écrire si oui ou non ils voulaient partager leurs données. Boom. Donc ils encouragent, ils ne le rendent pas obligatoire. Jusqu'en 2013, où le BMJ rend ça obligatoire pour les médicaments et les dispositifs médicaux, avant de rendre ça obligatoire pour tous les essais thérapeutiques en 2015. PLOS Medicine et le groupe PLOS, en fait, adoptent une politique de partage obligatoire en 2014. Boum. Et puis, vous avez la plupart des autres journaux qui suivent l'ICMJE qui ont adopté une politique encourageant le partage de données, comme je vous l'ai dit, mais simplement en 2018. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces expériences passées? Mais déjà, on peut regarder ces journaux qui sont intéressants, BMJ et PLOS, parce qu'ils ont des politiques qui rendent le partage complètement obligatoire. Si on regarde ces journaux, eh ben, parmi les articles éligibles dans BMJ, vous demandez les données et vous les avez dans à peu près 50% des cas. C'est-à-dire que là, ce n'est pas simplement 50% des gens qui disent « je vais les partager ». Ils disent tous « je vais les partager », vous demandez, et dans 50% des cas, vous les obtenez. Ce n'est pas formidable, parce qu'en fait, on aimerait bien que ce soit 100% puisqu'ils se sont engagés à le faire. Mais c'est déjà très bien, parce que dans 50% des cas, là, vous avez les données. Et on partait vraiment de zéro, quoi. Et quand vous avez les données, eh ben, vous reproduisez les analyses en général plutôt bien. C'est ce que vous voyez sur la figure. Là, c'est les p-values qui vous sont présentées. Donc, du coup, vous voyez que dans un cadran, en fait, la conclusion basée sur le test d'hypothèse est la même. Dans le cadran gris foncé, cadran gris foncé là. Donc ici, dans la réanalyse et dans l'étude originale, il n'y avait pas de différence identifiée. Nous, c'est pareil. Et ici, dans la méta-analyse, dans la réanalyse et dans l'étude originale, il y a une différence identifiée, nous c'est pareil. Et donc ces cadrans gris clairs, c'est les cadrans où il ne faudrait surtout pas être, puisque ça voudrait dire une conclusion divergente, ce qu'on n'a pas obtenu. Pour autant, on a trouvé en fait des anomalies numériques en fait, dans trois études, ce qui était particulièrement problématique, parce qu'il y en avait une où, effectivement, je pense qu'ils n'avaient pas écrit dans l'article les bons résultats qu'ils obtenaient. On leur a demandé, ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables de reproduire parce qu'ils avaient utilisé un logiciel clic-bouton, donc on ne pouvait pas. Voilà, confirmé ce qui s'est passé. Une autre où je pense qu'il y avait une erreur dans le code qu'on a pu corriger, mais qui n'amenait pas à des résultats différents. Et puis un autre article, en fait, qui, du coup, bien qu'il partageait les données, ne partageait pas assez de détails dans la méthode pour qu'on soit capable de reproduire exactement la ligne statistique. On leur a écrit, mais ils ne nous ont pas donné les détails pour le faire. Donc vous voyez, partager les données pour reproduire, il ne suffit pas de mettre à disposition la base de données, mais il suffit aussi, il faut aussi en fait, donner suffisamment d'informations pour qu'on puisse reproduire.
La revue Annals of Internet Medicine, je vous disais, eux ont une politique encourageant le partage depuis 2007. Donc là, c'est sympa, on peut aller regarder ce qui s'est passé en screenant tous leurs articles études randomisées depuis 2007 et regarder leurs citations et s'il y a eu des réutilisations de ces articles. Quand on prend leurs articles, en fait, et qu'on regarde, vous avez vu du coup en jaune, ça c'est l'intention de partage du dataset, vous voyez que ce n'est pas une augmentation constante dans le temps, ça augmente un peu là, là ça diminue, et puis là ça va remonter un peu au fur et à mesure du temps. Alors par exemple, pour le protocole, le partage du protocole, lui, il va avoir tendance à augmenter de manière à peu près continue jusqu'à arriver à 100% en 2017, ce qui n'est pas le cas pour les données, puisqu'on est plutôt aux alentours en gros de 50% tout au long du temps. Le code, lui, est partagé plus facilement que les jeux de données. En tout cas, les intentions de le partager sont plus fréquentes. Et effectivement, le code, du coup, n'implique pas forcément de problème de réidentification. Donc, forcément, on peut partager le code peut-être plus facilement. Ceci dit, le code sans les données, parfois, c'est quand même, du coup, c'est bien, parce que ça permet de relire le code pour ceux qui l'ont ou de le réutiliser pour ceux qui vont réutiliser pour des années similaires. Mais ça ne permet pas de reproduire, en tout cas, suffisamment les résultats de l'étude. En tout cas, quand nous, on regarde ce qui s'est passé sur toutes ces années, depuis 2007 jusqu'à 2017, sur 10 ans, et bien en fait, on n'a pas été capable d'identifier plus de réutilisation de ces données. On n'a pas été capable d'identifier plus de papiers publiés citant ces données, étant des réutilisations de ces données pour ceux qui partagent et ceux qui ne partagent pas. Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous avez une intention de partager que vous allez partager, ce n'est pas parce que vous avez partager que quelqu'un va réutiliser les données, c'est pas parce que ces données vont être réutilisées que les résultats vont être publiés. Vous voyez, il y a toute une chaîne en fait pour arriver à une valorisation de ces données et arriver vraiment à un impact du partage des données. On peut regarder aussi là ce qui s'est passé en avant-après avec la politique KCNGE. Donc par exemple, on a pris ça dans les journaux de chirurgie. Là, on a pris une petite dizaine de journaux qui sont les journaux de chirurgie les plus fréquemment visés par les chirurgiens qui font de la recherche clinique. Et donc, on a regardé parmi ces journaux, avant, donc vous avez la figure du haut, avant la politique de partage de données de l'ICMJE, et donc vous voyez qu'il n'y en a aucun qui indique vouloir partager les données avant la politique, avant qu'elle soit mise en place. Et puis, sinon, on leur a demandé les données, on a quand même réussi à avoir deux personnes qui nous les ont partagées, donc 2 sur 65. Vous voyez qu'on en est loin d'avoir du partage de données comme une règle en recherche clinique. Donc ça, c'était avant l'ICMJE, donc on s'imagine que ça va s'améliorer avec l'ICMJE, et voilà ce qu'on obtient. Donc, au niveau des data sharing statements, en fait, il y a la majorité des articles qui n'en avaient pas. Et finalement, une petite minorité qui présentait un data sharing statement, 11, avec 5 qui disaient oui, on va vous les partager, 6 qui disaient non, on ne va pas vous les partager. Et quand vous demandez, en fait, vous n'avez pas de données, y compris pour ceux qui avaient l'intention de partager. On a réussi à obtenir les données de 2 études, du coup, seulement. Et ces 2 études, c'était des études qui n'avaient pas l'intention, enfin, qui n'avaient pas de data sharing statement. Donc, autant vous dire qu'on est passé de 2 sur 65 à 2 sur 65 après la politique de l'ICMJE, qui n'a pas changé grand-chose dans ces journaux de chirurgie. Donc, pour les très peu d'études qu'on a eues, les 4, eh bien, on est capable de reproduire les résultats, même si il y en a un, on a trouvé un vrai problème parce qu'il y avait plus de 50% de données manquantes, ce n'était pas écrit dans la publication. Bon, c'est comme ça. Et ça pose quand même problème. C'est quand même toujours important d'aller essayer de vérifier avec les données. Alors, quel est l'impact? Donc, pour avoir l'impact, je vais vous répéter ce que je viens de vous dire, mais il nous faut passer au-delà des intentions de partager. Est-ce que les gens partagent réellement? Est-ce que les gens qui partagent, leurs données sont réutilisées? Est-ce que ces données réutilisées donnent lieu à une publication ou une manière de communiquer les résultats? Et est-ce que cette publication, elle a de l'impact ou elle est, comme la majorité des publications scientifiques, vaine et inutile? Bref, tout ça, c'est des questions qu'il faut évaluer et on peut regarder la littérature. Donc, on a fait une scoping review pour regarder si la littérature s'intéressait à ça. En fait, la littérature s'intéresse beaucoup de savoir si les gens ont l'intention de partager. Ils s'intéressent un petit peu moins de savoir si les gens partagent réellement, mais ils s'intéressent très peu à savoir s'il y a des réutilisations, très peu savoir si ces réutilisations donnent lieu à des publications, et très 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 peu de savoir si ces publications ont de l'impact. Donc on a encore du pain sur la planche pour vraiment explorer ces questions-là. Je vous prends un exemple, c'est les plateformes de partage de données que sont IODA et CDSR. Donc c'est des plateformes qui sont mises en place, entre autres, pour héberger des données industrielles. Et on peut regarder un petit peu ce qu'ils partagent. Donc, vous voyez, ils sont mis en place pour CSDR en 2014, pour IODA en 2015. Donc, on voit quand même une augmentation exponentielle des utilisations. Mais en 2019, finalement, on n'avait toujours que 80 études qui avaient été réutilisées sur des milliers en fait, d'études partagées. Donc, ça restait assez peu.
Et quand on regarde ce que les gens font de ces partages, il y a une grande majorité d'analyses secondaires, très très peu de réanalyses pour vérifier les données des autres, et puis un petit peu de méta-analyse sur données individuelles. Voilà. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup d'analyses secondaires qui sont des analyses qui ne sont peut-être pas les plus à prioriser dans le partage des données. Moi, je pense que les méta-analyses sont peut-être beaucoup plus importantes à faire et les réanalyses tout aussi utiles, même si finalement, c'est dans la culture de personne d'aller regarder la reproductibilité de la recherche thérapeutique. En tout cas, dans notre domaine, la recherche thérapeutique, ça ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on peut dire qu'on a une politique qui est un peu faible, qui donne des taux sous-optimaux d'intention de partage dans les études qui sont publiées, dans les études qui sont enregistrées. On peut dire que les intentions de partager, ça ne veut pas forcément dire que les gens vont bien partager. On peut dire que les intentions de partager, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura plus de publications de ces partages et que pour l'heure, trop peu de jeux de données sont réutilisés des plateformes de partage de données principales. Il y a une majorité d'analyses secondaires, pas mal d'analyses sur données individuelles, de méta-analyses sur données individuelles et très, très peu de réanalyses. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, comment on peut avancer? Mais on peut avancer en fait en faisant plusieurs choses et en changeant un peu les normes parce que ce n'est pas dans notre culture de la recherche thérapeutique de partager les données. Donc, il faut qu'on s'y mette. Donc, l'ICMJE a des choses à faire. Et par exemple, elle peut vérifier, parce que pour l'instant, il ne vérifie absolument pas que les gens suivent les politiques qu'ils disent suivre. Les journaux, eux, ils peuvent mettre en place des pratiques de screening éditorial, de mettre des éditeurs de recherche reproductibles. Ils peuvent aussi réfléchir à des conduites à tenir. Et donc, on va essayer de réfléchir ça bientôt avec COPI, à des conduites à tenir, en fait, quand les auteurs refusent de partager leurs données alors qu'ils sont engagés à le faire. Les institutions, ils doivent fournir du soutien technique pour le faire parce que ce n'est pas facile et on va en parler après. Et les chercheurs, bah, du coup, ils doivent à la fois bah, s'engager et à tenter de le partager quand ils le peuvent, mais aussi ils doivent s'engager à évaluer l'efficacité de ces politiques de partage. Donc, on doit y travailler. Donc, on a un groupe de travail hein, pour essayer de faciliter les choses en France et ce n'est pas simple sur la recherche médicale. Ce n'est pas simple. Et donc, du coup, on a mis 10 règles. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout vous les dire. Dans la collection 10 règles simples de PLOS Computational Biology, bah nous, on a écrit 10 règles pas si simples parce que franchement, quand on commence à discuter au niveau réglementaire, c'est pas si facile. Du coup. Et donc, du coup, bah, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on apprenne à le faire. Et donc, il faut qu'on forme une génération de chercheurs qui soit capable de le faire, à la fois de les partager, mais à la fois de savoir les réutiliser. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, à travers un réseau de doctorants qui se crée et qui va débuter l'année prochaine. Et d'ailleurs, si vous avez des étudiants en Master 2 qui sont intéressés par la recherche clinique et par devenir des champions des données dans la recherche clinique, les candidatures sont actuellement ouvertes. Il suffit de me faire un mail et je vous donne le lien pour le site de candidature. Comment changer les choses? Ben, en fait, pour changer les choses, ce n'est pas facile. L'éditeur du New England Journal of Medicine, qui est notre principale revue, a critiqué le partage des données à l'époque en disant que c'était pour les parasites. Alors voilà, on a créé le prix des parasites, hein, du coup, alors c'est pas moi, mais d'autres collègues ont créé le prix des parasites pour récompenser tous les parasites qui réutilisent des données en fait, qui existent déjà. Et puis on a créé aussi, ces collègues ont créé aussi le prix des hôtes, c'est-à-dire pour récompenser tous les gens qui partagent leurs données, parce qu'en fait, il faut valoriser à la fois ceux qui réutilisent, mais valoriser aussi ceux qui prêtent leurs données, qui les mettent à disposition et qui permettent les réutilisations. Et c'est tout l'enjeu, en fait, bah, tout un tas de démarches en lien, par exemple, avec DORA. Et vous avez ici les principes de Hong Kong qui sont de valoriser ça dans le recrutement des chercheurs. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher la quantité d'articles produits, quitte à se passer de la qualité, on va aller vérifier qu'il y a de la qualité, qu'il y a de la transparence, de la science ouverte et du partage des données. Voilà, je pense que j'ai été dans les temps, mais j'espère que je n'ai pas trop dépassé en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florian, c'est parfait et je pense que voilà, ta présentation a parfaitement résonné avec les deux premières, donc voilà, on te remercie vivement en plus pour ce travail de vulgarisation que tu as fait et qui, je pense, nous a permis de bien comprendre tous ces enjeux de la recherche thérapeutique dont on ne se rend pas vraiment compte quand on n'est pas dedans. Alors, on a deux questions dans le chat que je vais te lire. Donc, la première question peut être à la croisée de plusieurs présentations, mais l'entrée en vigueur du RGPD a-t-elle fait évoluer les partages de datasets ou est-ce que ça n'a rien changé par rapport aux pratiques précédentes? Non, bah, ça, disons qu'on part de zéro. Hein, enfin, on part de zéro, on part pas de zéro parce qu'il y en a quand même qui partageaient dans le passé, mais on part quand même de très loin. Voilà. Les choses ont évolué beaucoup, en tout cas en Amérique, avant d'évoluer en Europe, je dirais.
puisque des plateformes de partage comme Vivli, comme Yoda, elles sont présentes en Amérique. Elles ont aussi beaucoup évolué du côté des industriels qui ont utilisé, qui sont engagés à utiliser ces plateformes de partage. Donc voilà, on a le NIH maintenant qui est aussi une politique de partage. Donc les choses bougent beaucoup aux États-Unis. En France, quand je suis, par exemple, j'ai fait mon postdoc aux États-Unis, quand je suis revenu en France, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué. Voilà. Notamment par rapport aux promoteurs académiques. Ce que je pense aussi, c'est que, et je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais c'est qu'on a une sorte de petite pyramide, en fait, et le partage, c'est la cerise sur le gâteau tout en haut de cette pyramide pour assurer la reproductibilité de la recherche thérapeutique. La base, c'est l'enregistrement a priori, de dire, ben voilà, j'annonce qu'il y a cette étude qui existe, voilà ce qu'on fait, voilà les critères de jugement qu'on va utiliser, et comme ça, quand vous publiez, vous pouvez aller vérifier que vous avez bien fait ce que vous aviez promis de faire. Ça, c'est la base. La deuxième étage de la pyramide, c'est la mise à disposition des données agrégées, déjà sous forme d'un article ou sous forme d'un postage sur les bases d'enregistrement. Vous pouvez poster les résultats agrégés. Et là, déjà, on se rend compte qu'en France, on a déjà beaucoup de mal à poster les résultats. C'est-à-dire qu'avant de vous partager les données, ce serait déjà bien que vous puissiez lire ce qui a été fait de l'argent public. Mais là, pour l'instant, vous ne pouvez pas le lire. Donc du coup, bon, bah, là, déjà, il y a un petit peu de boulot. Et après, il y aura le boulot de partage. Alors, si on peut faire tout d'un coup, ce serait mieux. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et le RGPD, bah, ouais, non, je pense qu'il va falloir faire avec. C'est tout, en fait. Mais il vient pas, en fait, il vient pas freiner les choses parce qu'il n'y avait rien avant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question d'Eric. À partir du moment où le partage est obligatoire pour publier dans certaines revues et que des plateformes existent, pourquoi faut-il demander les données et subir un refus une fois sur deux? Eric, si tu veux Alors, compléter, n'hésite pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, c'est l'exemple donc, de BMJ et PLOS Médecine. C'est vrai que c'est des gens qui sont engagés à partager leurs données. Et ils sont engagés pour ça. Donc, après, vous leur écrivez et vous leur dites, bah, voilà, je voudrais avoir les données pour... les réutiliser pour faire une réanalyse. Donc déjà, ils vont vous dire, ouais, mais ça, c'est pas raisonnable. Moi, je vais pas juste vous partager mes données pour juste vous vérifier que, du coup, on puisse réanalyser ce que j'ai fait. Ça n'a pas de valeur scientifique. Alors, ça, c'est pas moi qui parle, hein, c'est les gens. Parce que, en fait, dans notre domaine, la thérapeutique, on considère que réanalyser, ça n'a pas de valeur par rapport, par exemple, à une méta-analyse sur données individuelles. C'est-à-dire aller pouler les données de cette étude avec d'autres études qui ont exploré la même question, pour justement gagner en puissance, pour gagner en précision, pour gagner aussi sur possibilité de faire des analyses en sous-groupe, etc. Donc, en fait, les gens, ils vont faire une petite hiérarchie, en fait, dans leur tête de la valeur ajoutée des différents types de réutilisation. Donc, il faut relativiser. Nous, on était dans un cas de demande pour des réanalyses. Voilà, donc on s'est peut-être fait à des freins. Et probablement que pour d'autres demandes, ils partageraient peut-être plus facilement. Ensuite, il y en a certains qui nous ont dit, bah, en fait, oui, on s'est engagé à le faire, mais on ne sait pas le faire. Donc, ils nous ont dit, ce serait bien que vous nous expliquiez comment font d'autres collègues à qui vous avez demandé, puis on essaiera de faire pareil. Voilà. Donc, voilà, on est récompensé pour publier dans ces journaux. On est très incité. Et c'est des journaux qui sont au premier plan. Et donc, du coup, les gens sont prêts à dire tout pour être publiés. Quand ils viennent après, face à la demande, bah, ils sont, même s'ils n'étaient pas forcément à 100% mauvaise foi, vont avoir du mal à mettre en œuvre leurs promesses. Ouais, en fait, ça veut dire que l'éditeur ne met rien en œuvre pour accueillir les données qu'il exige, en fait. Non, alors c'est compliqué. Le BMJ dit que bah, du coup, en fait, désormais, si jamais on veut demander les données, il faut poster enfin, faut demander aux auteurs. Ouais. Si les deux auteurs refusent, il faut poster une réponse rapide et l'éditeur essaiera de faire ce qu'il peut. Cet été, donc, il y a un congrès sur l'intégrité de la recherche mondiale, là, le WCRI, qui se passe à Athènes, en Grèce. Donc, si jamais vous aimez l'intégrité de la recherche, vous pouvez y aller. Si vous aimez la Grèce, vous pouvez aussi y aller. Et à ce congrès, en fait, on va avoir une session sur le partage des données de la recherche clinique. Et on va avoir quelqu'un de copie qui va être là. Et on va discuter, en fait, la conduite à tenir par copie face aux promesses non tenues. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de conduite à tenir. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On débute, hein, voilà. Voilà. Après, c'est aussi compliqué parce que je vous disais, il y a une étude dans laquelle il y a une erreur dans le code qu'on a pu corriger, qui ne donnait pas d'erreur dans le résultat, enfin en tout cas dans la conclusion, on arrivait à la même conclusion. Parce qu'il y a différents niveaux de reproductibilité. Il y a la reproductibilité des méthodes, on est capable de refaire ce qu'ils font.
il y a la reproductibilité des résultats. En utilisant leur code, tout ça, on arrive au même résultat numérique, etc. Bon, c'est super bien d'arriver pile poil au même résultat, mais pour nous, en tant que médecin, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à la même conclusion. Genre, on donne le médoc ou on ne donne pas le médoc. Et donc, du coup, là, on arrivait à la même conclusion qu'eux, même si numériquement, on n'était pas au même résultat. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est un journal qui met en place non seulement le partage des données, mais qui met en place en fait un peer review statistique. BMJ fait ça aussi. Et donc, en fait, on a eu un statisticien qui a eu dans la main le papier, le jeu de données, le code, et qui n'a pas identifié l'erreur. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le statisticien n'a pas utilisé, à mon avis, le code et le jeu de données. Il s'est basé sur les résultats agrégés qu'on lui a présentés en disant ça a une bonne valeur de face. Et il a dit c'est bon, ça passe. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça a une bonne valeur de face. Hein. On ne pouvait pas le voir sans refaire le truc, quoi. Et ça veut dire que un journal qui demande le partage des données aux auteurs, la moindre des choses à faire, c'est de s'en servir pour vérifier la reproductibilité de son côté. Mais ils ne le font pas non plus. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Alors, je vais juste en profiter pour envoyer un lien. Ah bah, juste quand je dis ça, il y en a une qui arrive. Mais bon, du coup, je termine. J'ai mis le lien vers la partie santé du baromètre français de la science ouverte et qui parle justement des essais cliniques. Et donc, ça illustre parfaitement ce que tu disais, Florian. Là, on voit que le taux de... Enfin, la part d'essais cliniques enregistrés et terminés ayant posté ou publié des résultats. Si on regarde les résultats de l'année en cours, on a 78% d'ouverture pour des promoteurs industriels et 32% pour des promoteurs académiques. Est-ce que, Florian, tu as une idée de, enfin, une explication de pourquoi il y a une si grande différence? Est-ce que c'est les Bah oui, non, parce incitations? que il y a des incitations pour les promoteurs industriels qui sont plus fortes, parce qu'en plus, c'est souvent des essais qui sont faits aussi à l'étranger, et qu'à l'étranger, par exemple en Amérique, il y a des pénalités normalement, qui ne sont pas toujours utilisées, mais en tout cas, ils sont susceptibles d'avoir des pénalités s'ils ne le font pas. Donc ça joue. Il y a aussi un autre truc, c'est que ce résultat pour les promoteurs français, il est sans doute quand même sous-évalué, du coup, pour les promoteurs académiques. Par exemple, nous, ici, au CHU de Rennes, on a regardé, on était à 10%, donc c'était vraiment nul. on a regardé quand même de près, et on monte à 40%. Pourquoi? En fait, parce que simplement, le baromètre détecte soit les résultats postés, donc ça, il y en a très peu de gens qui postent, parce que finalement, les promoteurs, académiques n'ont pas mis en place l'infrastructure pour poster, donc des posts de gens qui postent, quoi, en fait, les résultats, donc on poste pas. Et donc, on se contente d'avoir des résultats publiés. Les résultats publiés qui sont référencés dans le baromètre, c'est ceux qui ont été identifiés par clinicaltrials.gov automatiquement. Parce qu'il y a un numéro d'enregistrement dans l'abstract de l'article. Le problème, c'est que une bonne partie de mes collègues ne savent pas qu'il faut mettre le numéro d'enregistrement dans l'abstract de l'article. Et donc, du coup, impossible de faire le lien automatique. Donc, quand on le fait manuellement, on arrive à 40% d'études de résultats primaires publiés et 60% de résultats, quoi qu'il arrive, primaires ou secondaires. C'est-à-dire les résultats primaires, c'est vraiment la question de recherche initiale de l'article. Et parfois, vous avez uniquement des résultats sur une question qui était secondaire. La réponse primaire n'était pas répondue. Alors, parfois, parce que du coup, c'est vraiment un biais de publication et c'est pas publié alors qu'on a l'info. Et puis, dans un autre de cas, c'est que l'étude a un peu évolué, ça s'est modifié, ça s'est pas passé comme prévu. Il n'y a pas la réponse à la question, mais il y a quand même des données qui ont été valorisées sur l'étude. Donc voilà, il y a une part de sous-estimation, mais même quand on la corrige, ça reste très sous-estimé, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Florian. Je vois pas. Alors, il y a une remarque dans le chat. Si je croise les deux dernières interventions au-delà de 2 ans où les données sont archivées avec forte limitation, ça devient beaucoup plus compliqué pour partager des données, surtout hors de France. Alors, ça me permet de faire la transition avec l'ultime partie de ce webinaire qui est une session de questions pour tous nos intervenants que je remercie encore chaleureusement puisque ces 3 présentations ont vraiment permis, je pense, de balayer en tout cas le sujet, surtout pour des néophytes et on a pu voilà, avoir des exemples concrets de projets de recherche. Donc, un très grand merci. Alors, peut-être si on revient sur l'intervention
d'Eric, mais après, tout le monde peut répondre à ces questions. Il y en avait une qu'on s'était notée, c'était finalement, est-ce que la reproductibilité prend la même ampleur en STM et en SHS? Est-ce qu'il y a des, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent ou est-ce que c'est très différent? Peut-être Eric pour commencer. Oui, c'est un peu ce que j'ai mis, hein. Ça dépend si c'est en fait si c'est computationnel ou pas en fait. Par STM, qu'est-ce que tu englobes comme sciences et techniques? Oui, sciences techniques, médecine, enfin voilà, tout ce qui est sciences Ouais. exactes en général. Voilà, à partir du moment où c'est science exacte et computationnelle, la reproductibilité devrait est plus facile à atteindre. Par contre, lorsqu'on s'adresse à des humains par questionnaire ou voilà, sur données de panel ou sur des interviews ou en sociologie, ça devient un peu plus difficile. Voilà, mais comme je disais, on n'est pas reproductible ou non reproductible. Faut se rapprocher au plus près de l'idée que quelqu'un reprend notre méthodologie, reprend nos outils et essaye de retrouver au plus proche nos résultats, voilà, pour conforter nos résultats et la robustesse de nos hypothèses. Merci beaucoup. Alors, je crois que Cyril, tu avais une question également sur les savoirs tacites. Oui, on a thésaurisé des questions et on n'ose pas les poser. Mais en voilà une sur les savoirs tacites. Effectivement, déjà, qu'est-ce que tu entends par savoir tacite? Est-ce que cette idée de non-reproductibilité, c'est une fatalité? Et est-ce que ça vaudrait le coup de prendre du temps, au moins du temps, pour documenter, ces savoirs tacites? Les savoirs tacites, quand j'ai écrit ça, c'est plutôt l'expertise du professionnel, par exemple, qui a un savoir-faire qui est difficile de mesurer. Les collègues, ils parlent de recettes. Voilà, quand on fait une expérimentation, on réalise comme une recette de cuisine, hein, on pourrait appeler ça. Et donc on a la recette à côté de nous, on a tous les éléments pour le faire, mais des fois il y a des savoirs qui sont difficilement on ne peut pas coucher sur le papier et difficilement à transférer à un tiers pour les reproduire. C'est l'expertise, voilà, c'est le savoir du professionnel dans la mise en œuvre, hein, de la méthodo ou dans la mise en œuvre, voilà, de l'expérimentation. J'avais ça en tête quand j'ai parlé de savoir tacite, mais ça doit pouvoir englober beaucoup de choses. C'est ça. Est-ce que ça inclut par exemple l'implicite aussi, ou dans une conversation, une interview par exemple, ou pas du tout? Si, ça peut. Ça peut l'implicite ou la synthèse d'un. Quand on synthétise un propos, on réduit la précision et on peut le synthétiser de manière plus ou moins précise qui induit une erreur après dans l'interprétation. Donc, oui, tout ça, ça peut faire partie des savoirs un peu tacites. Merci beaucoup. D'accord. Entre-temps, des questions sont arrivées sur le chat. Alors, j'en ai une qui serait plutôt pour Émilie. Si le chercheur est responsable des données de sa recherche et que le laboratoire ne l'est pas, alors qui est responsable des datas après le départ en retraite du chercheur? Alors, on a toujours les questions autour de qui est responsable des données dans l'établissement. Alors, le responsable des données de la recherche, c'est pas parce qu'on est responsable de la conformité du projet de recherche et de mettre en place l'ensemble
des mesures, qu'on est forcément responsable des données ou du projet de recherche. Je pense qu'il faut différencier effectivement la mise en conformité, les process de mise en conformité, parce qu'on va avoir le chercheur en face, on n'aura pas le laboratoire. Dans le cadre, par exemple, de mes fonctions au CNRS, le responsable de traitement, c'est le directeur d'unité. Donc ça, c'était dans le cadre de mes précédentes fonctions au CNRS. On avait une vraie responsabilité de traitement sur la tête du directeur d'unité. Effectivement, ce n'est pas le directeur d'unité qui revenait vers nous pour mettre en conformité le traitement, puisqu'il ne le connaît pas forcément. C'était en général les chercheurs. Donc, c'est pour ça que j'indiquais ce genre de choses. Après, on a toujours le problème de le producteur des données, le collecteur des données, qui est souvent le chercheur. Une fois qu'il part, qu'est-ce qui se passe? Ou le doctorant qui a collecté des données dans le cadre de sa thèse et qui ensuite s'en va, comment ça se passe? Je dirais que à partir du moment où les données ont été collectées, traitées dans le cadre d'une mission de service public avec des fonds publics, le laboratoire gère la suite, en général. D'où l'intérêt aussi de le mettre sur des plateformes institutionnelles. J'ai parlé des linguistes avec Ortolang parce qu'ils sont assez développés sur ces aspects-là. Pour le coup, c'est vraiment une plateforme qui a pas mal avancé. C'est l'intérêt aussi pour assurer une continuité de disposition de disponibilité pardon, des données. Merci beaucoup. Et je voulais juste reprendre la question au-delà des 2 ans, si on croisait les 2 interventions, c'était compliqué de les mettre à disposition. Alors, en fait, on peut les partager. Ce n'est pas du tout incompatible, le côté données archivées de façon intermédiaire, puisqu'elles sont normalement aux mains du responsable scientifique la plupart du temps. Donc, il est tout à fait capable de les partager en cas de nécessité ou en cas de volonté, dans le cadre d'un projet. Par contre, la dernière partie de la phrase, c'est surtout hors de France. Effectivement, on a des encadrements à partir du moment où on partage les données hors de l'Union européenne et que ces données-là sont encore identifiantes. Et là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué, puisqu'à partir du moment où elles partent dans des pays hors de l'Union européenne, les réglementations n'étant pas les mêmes, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on sait faire. Merci beaucoup d'avoir saisi au bon cette remarque également du chat. Alors, on a une autre question, alors qui serait peut-être plus pour Florian, mais tout le monde peut répondre, bien sûr. Est-ce qu'on ne devrait pas revisiter les critères d'évaluation des chercheurs ingénieurs sur les efforts de reproductibilité en termes de mise à disposition des données et codes, mais aussi pour la validation de la reproductibilité des travaux des autres? En gros, quelle est la motivation actuelle de faire ouvert et de valider l'ouverture? Ben oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, c'est le moteur. Du coup, c'est le moteur sur lequel il faut travailler. Et donc, aligner en fait les incitatifs sur la recherche reproductible, éthique et responsable. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, peut-être que ça va venir. Ce qui est sûr, c'est que quand ça viendra, il faudra que ce soit évalué, en fait, si ça marche ou pas. C'est-à-dire, il ne suffit pas de mettre en place des politiques jugées vertueuses. Il faut évaluer qu'elles soient suffisamment vertueuses, que ça fonctionne. Et je pense que quand on verra que ça fonctionne, bah, du coup, on aura plus de facilité à le faire adopter par tout le monde. Et si ça ne fonctionne pas, bon, bah, il faudra qu'on fasse autre chose. Il y a encore du travail, en tout cas. Pardon, ouais, Eric. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et je pense que ça fait déjà son chemin dans certaines disciplines. Le chercheur n'est plus évalué sur la quantité, mais la qualité et la mise à disposition de ces productions. C'est pour ça qu'il y a des organismes de certification, de badge, etc., qui se sont créés pour donner de la crédibilité à cette évaluation. Voilà, je vais vous laisser dans 5 minutes parce que je vais recruter un chercheur pour un poste de chercheur dans le domaine de la méta-recherche, et je peux vous dire que son CV, c'est que ça. C'est, au lieu de mettre les papiers, il y a marqué « data », il y a marqué « code », « enregistré a priori », et parfois, ce n'est pas marqué, quoi. Donc, du coup, voilà. Bon. Après, vous pouvez enregistrer les données, le code d'un papier qui n'a aucun intérêt, ça va pas, voilà. Et puis, vous avez des chercheurs qui ne partagent pas et qui sont des trucs super intéressants. Donc, faut avoir ça de manière un peu globale. Il ne faut pas perdre de vue non plus que chaque fois qu'un indicateur devient la cible, il perd un peu de sa valeur, quoi. Donc, si on dit qu'il faut que ce soit absolument ça, bah, vous aurez plein de partage des données, mais pour des mauvaises raisons.
Bah, en tout cas, on espère que le recrutement sera fructueux. Je vois qui. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions dans le chat, donc on va pouvoir terminer ce webinaire. C'est la fin, malheureusement. Donc merci infiniment à nos trois intervenants sans qui rien n'aurait été possible. Et merci beaucoup à notre public et bien sûr à la merveilleuse équipe du GTSO Données de Couperin. C'est toujours un plaisir d'organiser ces webinaires pour vous et avec vous. Donc, comme vous le savez, notre rendez-vous est enregistré. Donc, vous serez prévenu par mail dès que la vidéo sera en ligne. Donc, restez connectés. Merci encore et bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir.